avant l'indépendance, à l'époque-là, une petite chose qui t'y vraiment frappe nous, c'est non, ça problème. Tu fille, deuxième lot, garçon premier lot. Avant, je t'y limitais dans la tradition, je t'y paierais la case, je t'y paierais des enfants, je t'y occupe des animaux, et c'est là beaucoup, madame laboureur. Quand nous finissons gagner l'éducation gratuite surtout, c'est là qui finit le déclic et beaucoup de enfants, de petites filles, qui commencent à l'école, qui commencent à gagner l'éducation. Beaucoup de filles gagnent further education, tertiary education. Et aujourd'hui, j'étais dans un poste assez important dans nos sociétés. Maurice, 40 ans, il est indépendant. On dirait pour moi, il paraît hier. Yeah. Il paraît quelque chose qui ne fait que passer. Parce que ça 40 ans-là, il paraît qu'il passe bien vite, mais c'est le mort. Puis il y a beaucoup, beaucoup de changements. Avant l'indépendance, à l'époque-là, une petite chose qui vraiment frappe nous, c'est non, ça problème. Tu fille, deuxième lot, garçon, premier lot. Pour commencer, nous tenons une seule école. Et State Secondary School pour bonnes filles. Nous tenons juste Queen Elizabeth College, mais par contre, nous tenons des collèges royaux pour garçons. Longtemps, il y a un tabou dans la société mauricienne qui a tu n'as pas besoin de l'école, tu n'as pas besoin d'apprendre. Déclic qui finit, non, c'est pas le secteur de l'éducation. Quand nous finissons l'éducation gratuite surtout, c'est là qui finit le déclic. Et beaucoup d'enfants, de petites filles, qui commencent à l'école, qui commencent à gagner l'éducation, parce que c'est accessible à tout. Et à partir de là, le progrès commence à accélérer. Et ben, madame, qui commence à poser rôle plus poussé encore dans le secteur de l'économie, dans le secteur de l'éducation et dans le secteur de la société. Avant, je t'y limitais dans la tradition, je t'y paierais la case. Je t'y paye des enfants, je t'y occupe des animaux, et c'est là beaucoup, madame laboureur. L'éducation n'est pas accessible à tout le monde, les types particulièrement pour les garçons. Madame, pas t'y paye accès à l'éducation? Nous pas t'y droit sorti. Tantôt, les moments de frère, je sorti travail pour venir, là, là, je prends maintenant. Mais mon frère, nous faisons l'école jusqu'à mon frère, jusqu'à petite bosse. Après ça, mon prend les leçons particuliers. Et l'aide bisundial était ex-ministre. Sous des vices de l'âme, elle prend les soins, elle prend la case, elle fait jusqu'à ma forme 5. Là, il y a un collège Boudin qui ouvre la porte. Oui. Collège Boudin. Mais elle a quelques temps, après ça, elle prend les soins particuliers. Mon mari, même, c'est mon professeur. Nous n'avons pas de cas, mais sorti bon avenir. Quand nous allons à l'école, nous avons toujours pu accompagner. Nous avons. Il y a très peu de filles qui sont vraiment à l'école secondaire à l'époque. Hein? À l'époque, moi, je suis dans les 50, dans les 60, jusqu'à 68. Après l'indépendance, avec l'éducation gratuite, et tout, nous trouvons que les filles gagnent beaucoup l'occasion pour éduquer. Et beaucoup de filles gagnent further education, tertiary education. Et aujourd'hui, j'étais dans un poste assez important dans nos sociétés, dans les ministères, comme dans les secteurs privés aussi. Tchatchaïn prend l'indépendance, Tchatchaïn du bout. Là, toute bonne femme commence à évoluer. Là, toute la case, toutes les filles, et l'éducation, mon instruction, c'est obligatoire. Depuis l'époque Tchatchaïn, pareil comme maintenant, que tous les enfants besoin à l'école, tous les enfants besoin éduqués, tous besoin pareil. En 1975, le père de la nation il décrète l'éducation gratuite. De ce fait, beaucoup de parents n'avaient pas l'école. Les filles ils en prennent, ils ont une facilité. De ce fait, jeune vie indépendant économique, jeune gagne un travail. Ça même qu'aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui, post-indépendance, ou trouver la femme occupe une poste clé, que ce soit dans le secteur éducatif, le secteur judiciaire, le secteur hospitalier. On trouve une bonne femme politicienne, pas oublier qu'aujourd'hui, nous avons 12 parlementaires femmes parmi deux ministres. En 1975, c'est la première parlementaire, Mme Pounoussami, qui est nommée première ministre de la femme. Nous avons 5 madame juges, nous avons madame ingénieure, médecin, avoué, avocat, partout.
dans le secteur à cause de l'éducation gratuite qui ne faisait de vin épanoui, développé et vin économiquement plus fort. Une autre petite chose encore qui vraiment te frappe moi, c'est dans les années 70, moi tu as assisté à une causerie que tu as ramoulé un petit vin causé. Les temps que tu as ramoulé un petit vin causé, les te dire quelque chose qui tu vraiment frappe moi, malgré bon, moi tu gagnes l'occasion à l'collège, moi tu fais travail, moi tu tout, mais moi tu connais qui vraiment nous tient dans toute qualité de discrimination contre nous. Ah, ça à l'époque là. C'est qu'il était plus terrible d'étudier comme ça, lui pour faire tout ce qui est dans ce pouvoir pour lui faire amener l'égalité entre hommes et femmes. Et quand lui peut dire égalité, il dit surtout égalité dans le mariage. Mais ça, tu frappes moi, à ce moment, je commence à poser moi la question, malgré, moi, tu es déjà une femme mariée. Oui. Mais seulement, l'État me pose moi la question, là qui m'est arrivé à réaliser le plus grand problème pour la femme, la majorité, surtout ben asiatique. Quand tu peux marier, bah, tu peux marier civil. Et quand on ne peut pas marier civil, ça veut dire, si monsieur là, pas les reconnaît tous les enfants, il ne peut pas les déclarer aux enfants, les enfants pas déclarés. Mm-hmm. Ça, c'était un. La deuxième chose qui est plus grand problème encore, quand une madame n'a pas une mariée civile, c'est comment arriver Marie Moreau. Mettez des hauts. Lui et que ce bon enfant a guetté quand il peut aller. Oui. Et troisième petite chose qui est vraiment choquant, qui, malgré une mariée civile, malgré où le mariage est corps et bien, oui, en communauté, mais où la femme tient un simple objet dans la main de l'homme. Et là, qui me le dit par ça, une madame, s'il est marié, ce mari, vous tient un camarade, ce mari prend tout ce dit bien vendé, et ce dit bien héritage, ce qu'il dit bien de ce bon parent, tu vends ce bon dit bien. En sus de ça, et non, vous tient même, vous tient utilisant un cas, côté une madame, tu peux travailler. Dans le gouvernement, tout le monde a fait 10 mois, ce bonhomme vini, l'époux prend sur la paix et y aller. Et même un compte en banque, une madame n'a pas tient en droit, ouvert compte par lui-même. Parce que ceci n'est pas valable. Je me bien rappelle quand nous avons formé l'association Mauritius Alliance for Women, quand nous allons dans le poil signer, nous allons devant homme de loi pour signer tout. Je dis, moi non, mon scientifique a besoin de countersign by my husband. Si ou bonhomme pas vienne mettre ce scientier, ou scientier pas valable. Alors là, l'étant une tente, tout ça là, nous trouvons tout ça là, là nous commençons vraiment commence militer. Nous tenons plusieurs associations féminines, mais seulement nous la voyons pas arriver jusqu'à là-haut. Jamais nous n'avons fait que nous un problème. Problème de la femme battue, problème de discrimination, toutes sortes de problèmes qui existaient, mais nous n'avons pas fait nous la voir entendre. Alors c'est pourquoi qui nous tenons faire avec la Mauritius Labour Congress, nous allons faire un séminaire. Côté, à la fin, nous invitons Tchatcha Ramboulam pour venir présenter le certificat. Mais le temps Tchatcha est venu, c'était en avril 1975. Là, Tchatcha a annoncé qu'il peut donner nous un ministère de la femme. C'est là que Mme Rada Pounoussami, il annonce nous, que Rada Pounoussami est venue notre première femme ministre, il peut donner nous un ministre de la femme. Et en sus de ça, il peut envoyer une forte délégation à Mexico pour assister à la conférence l'année internationale de la femme. Nous tenons 13 madames qui sont allées, parmi nous tenons Lady Barancho, France Boyer de la Jureux, Yusul Ramdani et d'autres social workers. Et l'étant nous là-bas, là, nous arrivons à réaliser quelle quantité qui nous, pas de madame, à Maurice, nous tient encore arriérés. Nous partons encore comme nous droits. Nous ne pouvons pas encore connaître comment nous faisons militer. Alors, l'état nous retourner, nous disons comme ça, bon, puisque nous allons sur le nom de la femme mauricienne, nous disons, quand nous venons, nous travaillons pour la femme mauricienne. Mais le problème, c'est quand nous avons le premier ministère de la femme, c'est ici un trop grand ministère qui se donne Mme Rada Pounoussami. Alors, il fait ce bon travail, mais seulement il n'y a pas assez. Alors, en 1978, quand nous commençons à célébrer la première journée internationale de la femme, là, nous réunissons 32 organisations féminines. C'est ça, le groupe qui tient le Mexico là. Nous sommes assisés à CUPIP. Mais là, nous disons comme ça, à nous pull together, à nous former une fédération de femmes. Et là, c'est là qu'il a Mauritius Alliance of Women, qui trouve le jour. Et quand la Mauritius Alliance of Women trouve le jour, là, nous commençons le travail.
ensemble avec le gouvernement sous Tchatcharamoulam, de fin travail. Et là, nous sommes capables de dire que doucement, nous avons réussi à travers une commission, nous avons fait commission sur la femme battue, commission sur l'éducation, commission sur l'emploi et sur le statut légal. Nous avons réussi à demander légalise le mariage religieux. Ça, c'était quelque chose de très, très important. Nous légalise le mariage religieux. Et la deuxième chose, nous amende le code Napoléon. Et avec cet amendement-là, nous sommes capables de dire aujourd'hui, bien propre de la femme, il reste pour la femme. Finisse à l'époque qui marie, tu peux prendre du bien, il vendait, il fait ce qu'il a envie. Et troisième chose qui est très très important, c'est recognition de mes enfants. Les enfants aussi, ils gagnent cette reconnaissance. Nous ne pouvons pas aussi oublier qu'au fur et à mesure, tout bon gouvernement successif qui vient, il promouvoir, il fight pour l'égalité et l'injustice contre bonne madame de la société après l'indépendance. Là, je pense que la convention de Sydney qui est passée en 1984 contre toute forme de discrimination envers la femme, ou bien Protection from Domestic Violence contre la femme protégée contre l'abus, la violence de l'homme, même qu'il n'est pas marié civilement, ou bien la femme protégée contre la bigamie, contre un époux pas qu'à marier civil des fois, ou bien une autre la loi qui protège la femme si son monsieur quitte lui après le mariage, après une séparation, lui capable de saisir la cour pour une pension alimentaire, ou bien contre le viol, contre la sodomie, ou bien ben madame qui après accouchement, zot gain time off pour aller de zot enfants, ou bien ben madame qui paye maternity leave, ou bien ben madame qui paye salaire égal à l'homme, ou peut trouver madame peut évoluer dans tout secteur qui bise. La loi peut renforcer, la loi peut venir plus fort, madame peut venir partenaire à part égale dans une société qui nous était à Stella. Quand nous pouvons les droits de l'homme et les droits de la femme, qui les fondés et les basés, comme on connaît, une charter qui est adoptée par les Nations Unies, qui nous appelle le charter des déclarations de droits universels de l'homme. Et cela est basé l'homme en droit égal pour tous, à travers le monde, dans toutes les instances, dans tous les domaines publics et privés. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de discrimination envers les femmes. Et cela amène nous, le ministère des droits de la femme, signataire à plusieurs conventions, plusieurs instruments internationaux. À ce point-là, je suis content de faire mention de quelques activités, de quelques actions important et primordial que le ministère met sur place pour nous promouvoir l'égalité de la femme et de l'homme. Et à commencer depuis la création du ministère 82, nous filmons un mécanisme sur place, un centre de femmes, à travers lesquels nous amenons une série de programmes pour nous capables de faire man madame comme de droit, comme plusieurs man législations qui l'a déjà là de qui sont capables pour se garantir le droit. Avec tous les cas rapportés de violence à travers les, envers les femmes, les cas de violence verbale, les cas physiques, les cas morales. Ça, c'était un exemple clé que nous avons dire que si vraiment il y a une égalité des droits des femmes entre l'homme et la femme, pas tu prenons une violence, pas tu prenons une violation des droits. Et dans la même foulée, nous sommes capables de dire qu'il y a une série de violations des droits humains. Et c'est pourquoi maintenant nous avons cause le mot gender equality que nous faire une personne comprend, que nous faire le public comprend, toutes les personnes concernées, toutes les institutions concernées, qui quand nous mettons une politique sur place, qui dans le domaine de l'éducation, qui ce soit la santé, ou bien dans la politique même, hein, dans tous les secteurs, nous avons trouvé que madame, nous avons le même droit que monsieur. Quand nous avons fait une nouvelle activité, nous avons remarqué qu'il y a plus grand problème, nous partons à une centre pour madame. Et dans la coopérative aussi, nous partons à une place que nous sommes capables traîne de bon membres et donne une facilité pour vendre de bon produit. Alors là, nous avons un spot, un terrain à quatre bornes. Étant un spot, ce terrain à quatre bornes, nous avons fait une expo-vente. Diaglitis fait une expo-vente à Triolet. Et là, nous faisons la requête à Tchatcharamoulam. Et ça aussi, nous avons reconnaître aujourd'hui que le projet pour ça et centre-là, c'était écrit par feu. Ce dernier Renat Baranchobe, malgré les gouverneurs généraux.
qui est gouverneur général, et Régis Finette, qui est senior lecturer à l'université de Maurice, nous assisons nous écrire ce projet-là. Qui veut dire, à l'époque, quand on faisait écrire un projet, c'était pas on dit aller écrire au projet. C'est une personne comme ça, je nous assisons, je nous aide, je prépare nos projets, et nous envoie le projet au Premier ministre, et le Premier ministre finit accepter mettre terrain à notre disposition, premier à la disposition de la coopérative d'agrité, l'issue de la moitié. Là, nous demandons deuxième moitié pour la Mauritius Alliance of Women, parce que c'est pas tiennant, un Women Secretariat. C'est là l'une de nous, là, Mauritius Alliance et d'agrité, qui présente un joint project. D'agrité fait Income Generating Activity et la Mauritius Alliance of Women, un Women Secretariat, avec un joint project, nous réussissons. Faire un centre qui est un bijou à quatre bornes pour la femme. Et à travers ce centre-là, et ça aussi, c'est avec la recommandation de Feu Tchatcharamoulam, nous sommes capables de dire qu'il faut européen de développement, tu mets 1,5 million à notre disposition, mais tu fais ça joint project-là, et ce qu'ils ont dit, ce bâtiment-là, c'est extra. 58, tu es venu ouvrir la porte. Oui. Mais mon mari et des trois camarades, tu en as qu'à dire, tu es un docteur Tilak, c'est à Ramboulam même. Enfin, plusieurs, je tiens 10-15. Là, j'en ai assez triveni, un petit bâtiment. J'en ai assez. Là, nous allons commencer le travail là-bas. Là, nous commençons le travail. Là, mon mari, c'est une présidente du côté des hommes. Là, premier président, c'est un Vinayatilak. Il est encore là même. Après, c'est un Pompon de Gatsing. Moi, je suis comme troisième présidente. Troisième présidente, je me fais pendant 7 ans. Dans ce Triveni. Ça aussi pour du bien à ma femme même. Nous tenons tous les mardis, nous te fais réunir. Là, nous te fais payer un professeur pour venir montrer papier mâché, lui venir montrer bonne couture, lui venir montrer couquerie, tout ça. Nous te fais payer. Et ça, à l'époque-là, nous te fais payer 2 roupies par mois. Nous te associés ensemble. Après, si on a un mariage, un enfant peut marier, d'après nos capacités, nous te fais acheter sur les mariages, nous donner ce gâteau. Ça, dans ça, à l'époque-là. Et c'est bien, bien dur pour faire social dans ça, à l'époque-là. Pas tiennant même personne. La femme, auparavant, si nous tu peux guetter, femme, tu peux travailler rien qui. Peut-être femme comme secrétaire, femme comme professeur, femme comme infirmière. Mais femme PS, femme PAS, femme professionnelle, pas tiennant. Très, très peu. C'était très, très rare qu'un petit fille, tu peux gagner l'occasion. Aller faire une étude poussée et devenir professionnelle. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de dire qu'avec beaucoup de fierté, qu'une fille fait plus bien qu'une garçon. Une fille fait plus bien, mais il y a beaucoup de femmes qui, pas seulement dans la classe laborieuse, mais aussi dans l'administration, chef du département, que ce soit dans la force policière, mais en même temps, il peut contribuer pareil comme un breadwinner. Alors, c'est pourquoi qui maintenant, c'est qui la femme lui expecte, lui peut attendre, qui ce mari partage la responsabilité, pareil. Mais ça, dans sa direction-là, finalement, un peu problème. Peut-être c'est là qui nous besoin essayer de guetter comment nous pouvons faire pour nous capables de mettre tous les dés à part. Parce que la responsabilité besoin partagée. Aujourd'hui. Tout le monde qui peut travailler, et monsieur et madame. Ou il y a 33% de madame qui peut travailler dans sa grosse masse de travailleurs-là. Mais seulement madame même, parmi madame, ou il y a à peu près 30% de madame qui peut travailler. Et quand nous avons la période de l'indépendance dans les années 60-70, seulement moins de 20% de madame qui peut travailler. C'est dans l'emploi. Mais aujourd'hui, dans la zone franche, dans l'usine, dans les champs encore une fois, dans mon bureau partout, je peux apporter de contributions et dans sa totale masse d'emplois qui est là, 33% de madame peut apporter de contributions dans la population active. Dans la période d'indépendance, seulement à peu près 3% de madame qui est représentée dans le Parlement, dans l'Assemblée. Mais aujourd'hui, et à peu près 17%. Et ça peut progresser, une tendance progresser aujourd'hui dans la vie politique où il y a plus de femmes qui
qui peut intéresser pour apporter d'autres contributions pour le pays, pour la société, à travers la politique et à travers le Parlement. Dans le domaine social, vous pouvez trouver dans plusieurs mouvements. Mouvement de la santé, mouvement de l'environnement, mouvement de la femme, mouvement du progrès, partout côté, Banla, dans le mouvement syndical, partout, Banla peut apporter d'autres contributions. Je peux sortir et je peux amener un rôle bien actif dans tout ce front-là. Côte, vous voulez que votre société épanouisse davantage, la société progresse davantage. Avec l'indépendance à Maurice, bon, c'est un welfare state, ce tu sais, mais seulement aujourd'hui, nous avons dénominé un vrai welfare state, parce que Tata fait de nous et la santé gratuite et l'éducation gratuite, mais ce garçon n'a pas venu, il amène transport gratuit. Mais longtemps, ben vieille, madame, pas si vous voulez, je ben jeune aller. L'État une grosse quand pension vieillesse, mais là, tellement nous fin gouvernement une gâte nous. À l'époque tata, maintenant nous avons une ramgram, l'État une vinil, une faire une continuation. Là, nous gagne tout facilité. Moi-même, moi sors mon clip de troisième âge, senior citizen. Si nous pouvons guetter un petit coup, alors y est un petit peu. Madame, so life expectancy, comment nous dire, c'est-à-dire que la vie en madame est limitée seulement à peu près 60 ans. Comme on peut dire, période de l'indépendance, dans les années 60-70, en madame pas peut vivre au-delà de 60 ans. Mais aujourd'hui, ben là, peut vivre au-delà de 75 ans. Quand on peut guetter un petit coup, centenaire qui nous peut gagner, c'est la plus bonne ben, madame. Donc, le domaine de la santé est dans ce rôle à jouer et dans sa contribution. Ben, madame, aujourd'hui, je peux occuper plus bien et je peux vivre plus longtemps. Vous fiez d'être un citoyen d'un pays indépendant, quand vous avez l'accès à l'éducation gratuite, pour vous gagner connaissance, pour que vous puissiez enrichir vos connaissances avec des gens responsables et apporter une contribution positive à l'île Maurice. Allez Maurice, tout ça grâce à l'Alpe de la Nation, Sœur Ségur Ramglam. Moi, pour encourager toutes les mères de la société, je n'ai pas hésité du tout, je n'ai pas besoin d'éduquer les enfants, je n'ai pas dit une fille, ça n'a pas besoin d'éducation. Éducation des filles, très important, ou besoin autant que possible d'éduquer les filles, pour que demain, je sois capable de bout les autres pieds, je soutenir les autres familles comme il faut, et si jamais je tenais un problème, je sois capable de tackle les autres problèmes properly. Nous devons saluer le courage de madame et rendre hommage pour la lutte qu'ils ont fini à porter parce que pour arriver jusque-là, il n'est pas possible que l'homme seul soit capable de faire ça. Nous devons souligner la souffrance, la persévérance et le sacrifice de madame dans nos pays, dans tous secteurs. Mon fier pan mauricien, et aujourd'hui, mon cœur dit à vous, moi, j'ai 6 enfants, moi, j'ai 13 enfants. Mon prier, bon Dieu, qu'ils ont tous fait l'honneur, Maurice. Je peux apprendre des hauts, mais nous devons venir. Bien Maurice, nous devons bâtir Maurice, comme ça, ça quitte Maurice, nous devons augmenter, nous n'avons pas besoin de diminuer, nous devons laisser de l'avant. Si vous dites à une femme qui vient veut bonheur, pareil comme moi, pas être pavillon, pas être la main en bas, nous devons debout de nos courage, et surtout si on a des enfants, ou besoin de battante, ou besoin debout dans nos courage. Ne pas besoin oublier qu'à partir de 1968, la graine a été semée par le père de la nation, Sessiou Sagar Ramgoulam. Tout ça, ben, éducation qu'il a fait là, tout ça, ben, la loi qu'il a passée là, c'est ben, madame qui a profité. Je ne viens plus libre, je ne viens plus éduquer et je ne viens plus autonome. De ce fait, je viens émanciper, je viens développer, je viens participer dans le développement de la société à part entière. Il ne faut pas oublier aussi qu'il nous dit, il y a un signe qui dit, quand on peut éduquer un monsieur, c'est un dimoun qui peut éduquer. Par contre, quand on peut donner à une petite fille l'éducation, c'est toute la société, c'est toute une famille qui peut profiter de ça, l'éducation-là, de sa contribution-là à la société. Et pour terminer, je voulais dire qu'on doit travailler, on doit persévérer. Pourquoi pas dans le futur une femme première ministre? À nous, ben, Tifi, c'est que moi, je peux dire que j'ai une très, très grande responsabilité devant eux. Cette responsabilité, c'est beaucoup plus. Et nous, nous devons faire tout pour nous capables d'être à la hauteur parce que l'avenir
notre avenir pour commencer, l'avenir de notre famille, l'avenir du pays, il dépend beaucoup sur la femme. Parce qu'il nous besoin respecter nous, nous besoin faire nous respecter. Et pour respecter nous, pour faire nous respecter, il dépend comment nous projetons nous, notre image dans la société. Alors c'est pourquoi, moi, je peux dire à mon bain-t-fille, parce que dans tout ce qui nous fait, le premier dérapage qui nous fait, c'est la femme qui est victime. Ça nous pas grave sortir de là. Alors pour éviter ça, je peux dire qu'à nous, Maurier Piqué, à nous guetter comment nous sommes capables d'être à la hauteur et aussi à nos frères et à nos hommes, je peux dire nous là pour supporter eux, mais eux aussi, ils ont besoin de supporter nous, ils ont besoin de comprendre nous, ils ont besoin d'aider nous pour nous capables de bâtir l'île Maurice qui nous tourne pour fiers de ça demain.